Fils et fille du bon Dieu, bonjour, sabbat de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous pour ce samedi dans l'octave de Pâques. Alléluia, Christ est ressuscité. Bonne nouvelle pour le monde, bonne nouvelle pour tout un chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Actes apôtres, le chapitre 4, versets 13 à 21. Oui, Pierre et Jean devant le conseil refusent d'obéir aux hommes qui veulent les faire taire. Les apôtres reçoivent de Dieu l'assurance dont ils ont besoin pour lui obéir en rendant témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Fils et filles du bon Dieu, vraiment obéir à Dieu qu'aux hommes. Obéir à Dieu, c'est avoir l'assurance, la protection, fils et filles du bon Dieu. Oui, les membres du conseil étaient dans l'étonnement de voir l'assurance de Pierre et Jean et d'apprendre que c'était des gens sans instruction ni culture. Fils et filles du bon Dieu, dans la simplicité, mais ils avaient la vision de l'Esprit Saint. Oui, il y a 3 ans seulement, ce Pierre et ce Jean étaient effectivement à réparer leur filet au bord du lac pour leur métier de pêcheur. Mais ils vont recevoir l'instruction 3 ans du Seigneur et qui va ressusciter pour leur donner une nouvelle vie. Oui, la foi, la fréquentation quotidienne de la parole de Dieu sera capable de donner une valeur et une assurance aux plus humbles fils et filles du bon Dieu. Ô Seigneur, tous les baptisés, aide tous les baptisés à accueillir cette assurance. Il y a 3 mois à peine, ce Pierre fuyait question indiscrète d'une servante dans la cour des grands prêtres par peur d'affirmer sa foi. Aujourd'hui, il étonne ce même grand prêtre par son audace apostolique. Que s'est-il passé alors? Mais c'est l'Esprit Saint, il a reçu l'Esprit Saint, il a reçu la force du ressuscité. Oui, la Pentecôte est passée par là. C'est la force de Dieu dans le pauvre Pierre. Oui, le climat de l'église primitive ne fut jamais de facilité. L'expression de la foi ne s'est pas faite sans peine. Les actes des apôtres sont un long récit d'efforts et de martyrs, des difficultés pour que les gens puissent écouter la parole de Dieu. Fils et filles du bon Dieu, ce n'est pas facile. Même à travers les méditations de tous les jours, il y a des persécutions. Ma pauvre personne, fils et filles du bon Dieu, continuons ce chemin. Oui, s'il est juste aux yeux de Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Oui, c'est ce que Pierre annonce avec assurance. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Oui, rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Rien ne peut arrêter, c'est comme la fumée. Dans une maison, même si la fumée elle est complètement étouffée, mais la fumée cherchera toujours une ouverture pour sortir. Rien ne peut arrêter. Fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc, le chapitre 16, versets 9 à 15. D'hommes incrédules, le Seigneur fait des apôtres. L'assurance des disciples dans leur travail missionnaire ne leur viendra pas de même, mais seulement de Jésus ressuscité. Il est le Seigneur toujours présent qui les délivre de leurs doutes et leur donne mission de proclamer son évangile, fils et fille du bon Dieu. Nous lisons aujourd'hui la conclusion de l'évangile selon saint Marc. Oui, c'est également la conclusion de ces tournées de Pâques. Pendant une semaine, village en village, nous avons pu parcourir avec le catéchiste pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire que le Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, c'est le dernier village. Nous sommes à Sainte-Marie de Nzahayon, fils et fille du bon Dieu. Et c'est ce résumé-là sur les apparitions, fils et fille du bon Dieu. Oui, ressuscité au matin, le premier jour de la semaine. Oui, l'auteur souligne que la pécheresse était devenue la favorisée. Fais ce fils du bon Dieu. Malgré ton péché, tu peux devenir favorisé du Seigneur. Voilà pourquoi abandonne tout, viens vers le Seigneur. Chez Simon le pharisien, Jésus l'avait déjà laissé deviner. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Oui, ainsi le péché peut devenir le début d'une grande aventure spirituelle. Fils et fille du bon Dieu. Oui.
heureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Chante la liturgie de la nuit pascale à propos de la faute d'Adam. Cela peut être vrai aussi de nos fautes, fils et filles du bon Dieu. À travers ces fautes, ça peut être le chemin du Seigneur pour nous emmener vers la résurrection, vers sa gloire, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'auteur souligne encore l'incrédulité des anges. Voilà une insistance qu'on n'aura jamais fini d'explorer. Même dans le quotidien de notre vie, nous sommes parfois incrédules. Oui, ils étaient 12 disciples. Ils ont abandonné leur maître. Ils l'ont renié. L'un d'eux l'a trahi et s'est pendu. Après sa mort, ils étaient tous découragés et s'en allaient tristement chez eux. Fils et filles du bon Dieu. À quelques temps après, on les retrouve formant une communauté fervente, proclamant hardiment à Jérusalem et même devant le Sanhédrin qu'il a condamné que Jésus est vivant. Oui, ils ne s'en sont pas laissés raconter. Il a fallu qu'il se passe quelque chose, une transformation dans leur vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, après cela, il se manifesta à deux d'entre eux qui cheminaient vers la campagne. Cela aussi s'avère l'annoncer aux autres, mais on ne le crut pas non plus. Décidément, ils avaient la tête dure, fils et filles du bon Dieu. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et leur entêtement à ne pas croire ceux qu'il avait vu ressusciter. Oui, le Seigneur reproche encore chacun de nous notre incrédulité. Et redoute qu'il nous fournit une certitude plus grande. Oui, nous n'avons pas affaire à des naïfs, à des illuminés, mais à des gens concrets, à la tête dure. Et de nos seigneurs, au milieu même de nos recherches et de nos doutes, à garder en nous une disponibilité, une ouverture. Et de nos seigneurs. Oui, dans leur démarche d'humilité, les apôtres vont reconnaître leur incrédulité et changer d'avis, rentrer dans l'économie du salut, c'est-à-dire le plan de Dieu. Oui, le plan de Dieu se réalise toujours parce que Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Dieu a un plan pour toi, pour moi, fils et filles du bon Dieu. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. L'envoie en mission. Il faut croire aux merveilles de Dieu en attendant de les voir dans la clarté à la fin. Oui, fils et filles du bon Dieu, annonçons tous la bonne nouvelle parce qu'au nom de notre baptême, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle aux autres que le Christ est bel et bien ressuscité. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants. Et préparant notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès Tounou. Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire là. Nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Fils et filles du bon Dieu, soyons tous des témoins de la résurrection. Ressuscite avec le Christ, fils et filles du bon Dieu, par rapport à un témoignage de vie, un vrai témoignage dans ta vie, dans tes expressions, dans ton comportement. Sois ressuscité. Montre que tu es ressuscité, fils et filles du bon Dieu. Que ta famille puisse ressusciter. Que ton travail puisse ressusciter. Que notre pays puisse ressusciter en Jésus-Christ, fils et filles du bon Dieu. Ressusciter, c'est écouter la parole de Dieu et c'est mettre cette parole en pratique, fils et filles du bon Dieu. Soyons des chrétiens convaincus de la résurrection et ça doit se traduire dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Bon Dieu. Thank you.
Gloire.